Toute la blockchain est écrite dans un grand livre. Comment la rendre utile au public? Alors, il y a une multitude d'applications possibles pour la blockchain. Hein, dans la mesure où c'est des données qui sont accessibles à part tout le monde, aussi bien les êtres humains que les robots. Alors, quand on est écrit dans un grand livre, il faut savoir s'en sortir, savoir reconnaître les pages, donc il faut la structurer. On peut dériver plein de petites blockchains, donc des chapitres, en gros, dans le grand livre. Et comme ça, les gens se retrouvent. Ça peut être fait un chapitre qui peut être consacré à la recherche d'emploi. C'est-à-dire que tous ceux qui ont cherchent un travail, ils vont poster leurs compétences. Ceux qui proposent des emplois, ils vont lire les compétences des gens. Donc c'est un endroit où on peut collaborer. On peut faire envoyer des cartes postales. Et puis toutes les cartes postales du monde, elles sont envoyées sur la blockchain et on a des photos de cartes postales à chacun. Et puis on peut après. Il y a plein d'applications comme ça. Dans la mesure où c'est accessible à tout le monde, il suffit que l'on s'organise. Et qu'on parle le même langage pour que ça soit utilisable.